ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Hadith rapporté par l'imam musulman, qui est bien connu. Le prophète alayhi wa a dit, ce bas-monde est suave et verdoyant. Allah vous y a placé pour voir le comportement que vous y adopterez. Prenez donc à ce bas-monde et méfiez-vous des femmes. En effet, la première épreuve qui a frappé les fils d'Israël est venue des femmes ce bas monde effectivement il a été embelli que ce soit dans les choses matérielles l'amour des passions l'amour des femmes ou l'amour de l'or et de l'enrichissement et des biens ou bien l'amour du pouvoir et de la concurrence dans l'obtention des choses de ce bas monde tout ceci a été embelli ça a un goût sucré il est suave vert et attirant mais Allah taala nous a mis dans ce bas monde pour voir comment on allait agir et le prophète wassalam, nous a mis en garde. Prenez garde à ce bas monde et méfiez-vous des femmes. D'ailleurs, le prophète wassalam, a dit qu'il n'a pas laissé une tentation plus nocive pour les hommes de sa communauté que les femmes. Non. Donc, tous ces plaisirs, toutes ces splendeurs qu'Allah a placé dans ce bas monde, c'est une épreuve pour nous. Il ne nous a pas interdit totalement tous les plaisirs de ce monde, toutes les splendeurs de ce monde. Mais il nous a mis en garde de le prendre comme objectif, de s'y attacher. Et il nous a mis en garde de le demander avec excès, de gaspiller et de dépasser les limites en cela. Et il a réglementé ce qui en est permis, Alhamdulillah, la communauté du juste milieu. Comme le prophète a dit, le musulman qui se mélange aux autres et qui supporte leurs méfaits, est meilleur que le musulman, le croyant, qui ne se mélange pas aux gens et qui ne supporte pas leurs méfaits. Donc le croyant, il vit avec les gens, il se mélange à eux, il vit avec eux dans leur dunya, dans le halal par contre, lui avec des règles. Il en prend ce qu'il en a besoin pour son au-delà et il patiente sur les méfaits qu'il subit de leur part. Comme Allah Ta'ala ta dit dans le Coran karim dans le sens des versets, dit Qui a interdit la beauté qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs et les choses pures dans la subsistance. Ces choses, Allah, il les a sorties pour ses serviteurs, mais à juste mesure, et d'une manière réglementée. Non. Premièrement, tant que ce bas-monde, on n'en a pas fait un objectif. Car celui qui met comme objectif ce bas-monde, alors il a perdu. Car il a fait de son objectif l'endroit dans lequel il est de passage. Et en vérité, ce bas-monde... On en a besoin seulement pour ce soit une provision et une aide pour notre objectif réel, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa On voit ici que le prophète wa sallam, a spécifié les femmes dans ce bas-monde. le bas monde Les femmes, elles font partie du bas-monde. Et pourquoi elle a spécifié les femmes Car leurs tentations, leurs charmes pour piéger les hommes, pour les attraper dans leurs filets, combien elles ont perdu de gens. Il y a des empires qui ont coulé à cause d'une histoire d'une femme. Un royaume à cause d'une femme, il a coulé. Alors, imaginez-vous le danger. Car l'homme, quand il est pris dans les filets de la femme et qu'il est envoûté par son charme, il est aveugle. Il fait vraiment n'importe quoi. Et il se jette à sa propre perte. Il ne voit plus rien. Il, voit, il y a un ravin devant lui. Il ne voit pas. Il saute dans le ravin. Et subhanallah, combien on voit des gens, quand il est envoûté par une femme, il arrive même à t'embellir la situation religieusement. Non, mais tu sais, elle est intéressée par l'islam mais je ne sais quoi et je vais. Ya qu'est-ce que tu racontes, barakallahu Ton départ déjà, il est mauvais. Tu as mal commencé, tu n'as pas commencé proprement les choses déjà. Après, tu cherches des justifications religieuses. La femme, tu la rencontres dans la rue, c'est une quelconque parmi les musulmanes, même peut-être. Faible, mais pour lui, c'est Khadija Umilbu'minin. El elle est comme ça, elle fait ça, elle fait des adorations, elle lit le Coran. Juste il veut une toi que tu lui dis vas-y, c'est bien, continue. Est ce que ça, c'est pas une preuve que le charme et les filets des femmes, c'est dangereux? La flamme, elle brûle son cœur, il n'arrive pas à avoir clair. C'est pour ça il faut apprendre à aimer pour Allah, à détester pour Allah, à s'attacher pour Allah, même avec les femmes. À aimer ce que Allah aime en elle, les qualités que Allah aime chez une femme. Alhamdulillah, le prophète sallam nous a enseigné aussi qu'on doit voir en elle des choses physiques qui nous plaisent, car le mariage, c'est aussi pour se préserver, préserver la chasteté. Mais ça ne doit pas être l'objectif premier. Combien il y a de femmes qui étaient une beauté incroyable, mais la personne quand elle s'est mariée avec elle, avec son mauvais comportement, lui, il la voit comme une chétane. Il peut plus voir son visage. Et combien de femmes, elles sont simples, elles sont banales physiquement, mais avec la beauté de leur caractère, tu la vois comme une princesse. Car, subhanallah, elle est souriante, elle est au service du mari, elle est mashallah, elle, elle s'occupe de ses enfants. Et elle brille quand elle la voit, elle brille à ses yeux. Donc, cette beauté physique, déjà, elle est éphémère. Dans 10 ans, 15 ans, plus rien. Et deuxièmement, ça peut être la cause de ta perte. Elle peut te détourner. Quelqu'un, après, il est collé que à sa femme. Il vient plus au masjid, il va plus au cours, il ne fait plus rien. Meuf tourne par sa femme. Il veut pas la quitter des yeux. Il y a des gens comme ça. Avant le mariage, Allahumma Barik, c'était le Masjid. Après le mariage, on n'a plus entendu parler de lui. Ni au cours, ni rien. Hein? La tentation, elle peut venir de plusieurs sortes. La tentation dans le haram, c'est-à-dire qu'elle t'attire à faire le haram. La tentation à ce qu'elle t'attire à faire des choix dans ta vie contradictoires à tes principes ou qui t'emmènent dans un piège ou je ne sais quoi. Même quand tu es marié dans le halal, c'est une tentation, les femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi nous a mis en garde. Non, on a vu rien que dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Pourtant, Allah l'a préservé. Et lui, il n'a pas succombé à leur tentation. Mais regarde, elles ont été la cause du mal pour lui de le mettre en prison. Elles sont réunies, elles ont dit, si tu fais pas ce qu'on te demande, on va te mettre en prison. C'est pour ça qu'Ibn al qayyim il a dit, le pire pour qu'une société, elle coule, c'est quand tu mélanges entre les hommes et les femmes, la mixité. Ce qui est le plus dangereux, comme si tu mélangeais le foin avec le feu. Imagine-toi, qu'est-ce que ça donne قل رب زدني علما